Allez, on découvre ensemble les premières images de la toute nouvelle console de la marque Pearl. La console, elle est là. Oui, c'est un peu surprenant, ouais. C'est pas plus grand qu'une boîte d'allumettes et pourtant cette console, eh bien, contient 200 jeux vidéo d'arcade en 8 bits. Donc c'est plutôt du rétro gaming, hein. Ça va vous rappeler les années 80-90 et bien sûr, je vous propose de découvrir ça plus en détail dans la suite de cette vidéo. A tout de suite. Alors si vous êtes fan de rétro gaming et que vous aimez l'univers Commodore, Atari, Amiga, eh bien vous risquez fortement d'aimer ici les jeux de cette console. On est bien sûr ici sur du rétro gaming avec des jeux en 8 bits, plutôt type années 80-90, avec un graphisme à couper à la hache et des musiques MIDI comme ça relativement improbables. Alors c'est surprenant puisque dans cette petite console, il n'y a pas un jeu, deux jeux ou trois jeux, non, il y a 200 jeux différents. Ça paraît complètement fou puisque aujourd'hui ça tient dans une toute petite boîte, hein, cette petite boîte d'allumettes presque. Et en plus à l'arrière vous avez un petit boîtier qu'on ouvre et on peut mettre donc glisser trois piles AAA. Et si on retire ces piles, eh bien, il reste plus grand chose. Imaginez à l'époque, eh bien ces consoles prenaient une place énorme. Donc avec cette petite console, on bénéficie de la technologie d'aujourd'hui pour jouer à des jeux d'autrefois. Il y a donc plus de 200 jeux à l'intérieur de cette mini-console, ça fait quand même beaucoup d'univers à découvrir. Alors il y a des shooters, des jeux de puzzle, des jeux de sport et plein d'autres types de jeux. Rendez-vous compte, hein, rien que pour découvrir ces jeux, si vous passez une minute sur chaque jeu, ça vous fait plus de 3 heures de temps pour découvrir ici tous les jeux de cette console. Et je vous assure, il y a de quoi s'amuser. Voici quelques morceaux choisis. Alors au niveau de la console, c'est on ne peut plus simple, vous avez donc ce petit boîtier, un petit bouton on-off qui vous permet d'allumer et d'éteindre la console. Quand vous l'allumez, ça va être surprenant. Si vous avez connu les anciennes consoles, il fallait toujours un temps de chargement qui était interminable. Ici, ça s'allume directement, ça c'est les bienfaits de la technologie. Sur la face avant, vous avez le petit joystick qui fait bien années 80 pour jouer, les deux petits boutons A, B, le bouton start et le bouton reset qui va vous permettre notamment ici de naviguer ici sur la page d'accueil où vous pouvez accéder aux différents jeux, donc soit en bougeant le joystick de haut en bas, soit en passant d'une page à l'autre en appuyant donc sur le A et B. Vous sélectionnez le jeu en appuyant sur Start et puis ensuite voilà, vous allez pouvoir comme ça vous déplacer et pouvoir jouer avec les différents jeux proposés. Alors au niveau de l'installation, là aussi c'est super facile, hein. Alors côté alimentation, pas besoin de brancher un autre câble, l'alimentation se fait directement depuis la console, ça consomme vraiment très très peu, donc il y a ici trois piles AAA que l'on peut glisser à l'intérieur de la console. Ensuite, il faut brancher le câble qui est fourni avec pour relier donc la console de jeu, la petite manette finalement de console, jusqu'au téléviseur. D'un côté, vous branchez à la console et de l'autre, vous avez deux prises Cinch, une jaune qui est faite pour la vidéo, une blanche qui est faite par l'audio. Alors, soit vous avez de la chance
pouvez directement le connecter à l'arrière de votre téléviseur. Il y a souvent des prises comme ça. Soit, comme moi, vous êtes obligé d'utiliser la prise Péritel, et donc en mettant un petit adaptateur de la prise Péritel jusqu'à la prise Cinch hein, pour brancher votre console, pour pouvoir l'utiliser. Alors, si vous avez besoin de cet adaptateur, je vous le mets dans la description ici de cette vidéo. Voilà, une fois que tout est branché, on met sur On et on a directement l'image. Et c'est parti pour des heures d'amusement. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette mini console. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis ciao et à bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Et moi, je vais rester, je vais tester un petit peu les 200 jeux. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti, j'en ai pour toute l'après-midi. À bientôt, ciao.